Regardons ensemble une construction particulière dans laquelle on va chercher à construire les images à travers deux dioptres sphériques, S1 et S2. Mais un cas particulier parce que l'objet initial qu'on nous donne pour faire la construction est placé sur des positions particulières, en l'occurrence sur le centre C1 du dioptre 1, mais aussi lui-même confondu avec le centre C2 du dioptre 2. Par ailleurs, en plus, on nous donne peu d'informations sur les dioptres. Nous n'avons pas le foyer image du dioptre 1 et nous n'avons pas le foyer objet du dioptre 2. Si on se lance dans la construction, on va voir que ce manque d'informations fait qu'on va assez vite être bloqué dans notre construction. Et ce que je voudrais vous montrer à travers cet exemple, c'est que dans ce cas-là, il faut se débloquer à l'aide de la chaîne d'images. Dans le cas que l'on a sous les yeux, on peut compléter la chaîne d'images. Parce que l'objet AB initial, pour le dioptre 1, il est sur un endroit particulier du dioptre 1, il est sur C1. Et tout objet placé sur C donne une image elle-même placée sur C. Ça, c'est une propriété, une position particulière qui est assez utile à retenir. Puisque l'on a cette information, cela signifie que l'on sait que AB1 va se former au même endroit que AB, mais on ne sait pas encore sa hauteur. Cependant, pour avoir sa hauteur, il n'y a besoin que d'une seule information, donc que d'un seul rayon. Je peux donc tracer un seul rayon pour construire mon AB1. Je vais bien sûr prendre un rayon incident avant le système 1, qui passe par un endroit intéressant. Ici, c'est F1, la seule possibilité. Tout rayon incident passant par F1 émerge parallèle à l'axe optique après le dioptre 1. Et c'est ce rayon-là qui, comme tous les rayons qui sortent de S1, va sur B1. Tous les rayons qui sortent de S1 vont sur B1. Et lui, il va aussi, donc il va me donner la hauteur de AB1, puisque je sais qu'il est confondu avec l'objet de départ. Et dans ce cas-là, on va même pouvoir recommencer le raisonnement une deuxième fois, car ce A1B1, qui est l'objet devant le dioptre 2, est positionné sur le centre C2 du dioptre 2, ce qui fait que l'image finale, elle aussi A'B', est elle aussi, encore une fois, confondue. Je sais qu'elle va être superposée avec AB et AB1, mais je ne sais pas sa taille. Pour ça, il me manque au moins un rayon qui pourrait me le dire. Je vais réutiliser le rayon incident sur le dioptre 2, parce que celui-là, je sais qu'il émerge en passant par F'2. Et grâce à lui, en sortie du dioptre 2, le rayon qui émerge me permet de détecter A'B' à la position que je connais déjà, c'est-à-dire en C2. Et c'est comme ceci que je peux faire une construction avec peu de rayons, en remplaçant certains rayons par le remplissage de la chaîne d'images.